notre factory, ça va être une usine à gaz, un complexe spaghettique et qui va être difficile à maintenir, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va utiliser Google Juice. Google Juice, qu'est-ce que c'est? C'est un framework d'injection de dépendance. Donc, l'injection de dépendance, c'est le fait d'implémenter le mécanisme de l'inversion de contrôle pour créer les dépendances entre les classes. La plupart du temps, ça va s'aider d'un fichier de configuration. Donc, ça va nous permettre de faciliter le développement, les tests et la maintenance du code. Alors, voyons justement dans le code comment ça va se manifester. Je reprends ma classe de CV Service, j'ai toujours ma propriété. On voit qu'au niveau du constructeur, j'ai un paramètre maintenant, c'est VDAO, et j'ai une annotation @inject. Cet inject, en fait, il va aller solliciter, il va servir à l'injecteur de Google Juice qui va donner une instance à notre paramètre CVDAO que l'on va assigner à notre propriété. Donc l'injecteur, voilà, là je vous ai donné un autre exemple de l'utilisation de l'injecteur. Grâce à l'API Google, on peut le déclarer si on est dans un contexte standalone. Et on va pouvoir le requêter en fait en lui passant un type en paramètre et il va nous renvoyer une instance d'objet. Voilà, donc la question qu'on va se poser naturellement, c'est comment il va faire pour nous renvoyer la bonne instance à partir du type. Mais il va tout simplement s'appuyer sur un module. Les modules en Juice, ce sont les fichiers de configuration du framework. Donc un module, c'est une classe Java qui va étendre la classe abstract module ou qui va implémenter l'interface module. Dans cette classe, on va redéfinir une méthode configure. Et c'est dans cette méthode configure qu'on va dire à l'injecteur comment on veut qu'il instancie nos objets. Donc ici, par exemple, j'ai toute ma stack de web service, j'ai mon serveur ressources et mon serveur service qui sont bindés en scope request, et j'ai mon DAO qui va être bindé en simple tout. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un objet lourd, on veut qu'il soit instancié qu'une seule fois. Donc ça, c'est un exemple très simple. Dans ma vie, dans notre vie de développeur, on va rencontrer des cas plus compliqués, notamment le cas où on doit développer quelques lignes de code pour instancier son objet. Donc dans ce cas, on va utiliser un provider. Là, je vous ai donné deux exemples de provider. Je vais d'abord vous parler de la méthode getMongo qui est annotée avec @provides. Donc ça nous dit que ce @provides, il nous dit que si dans le code, on essaye d'injecter un type Mongo, alors on va utiliser pour l'injection cette méthode getMongo. L'autre façon d'utiliser les providers, c'est de créer soi-même sa classe de provider. Si on regarde dans la méthode configure, j'ai un bind people.dao sur le provider people.dao.provider. Donc c'est ce people.dao.provider qui sera utilisé pour l'injection du people.dao. Donc comment on va faire pour créer cette classe? Il va falloir qu'elle implémente l'interface provider et qu'elle soit paramétrée par le type réel que l'on veut obtenir. Il faudra redéfinir la méthode get qui va nous renvoyer la bonne instance. Et au niveau de l'appelant, on ne va pas injecter directement un type people.dao, on va injecter un provider de people.dao et il suffira d'appeler la méthode get sur ce provider pour récupérer son instance. Après, il y a un autre cas qu'on va rencontrer dans le développement, c'est le cas où pour un type, on a plusieurs instances possibles. Dans ce cas-là, on va nommer nos injections. Donc, dans mon bout de code de CV Service, là, j'ai une propriété provider que j'injecte et tout en la nommant FirstDB. Et si je retourne dans mon module, donc ma configuration, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si on essaie d'injecter un people de là-haut qui est annoté et nommé avec FirstDB, alors on utilisera le provider MyFirstProvider. Si j'essaie d'injecter un people de là-haut qui est annoté et nommé avec SecondDB, alors on utilisera pour l'injection MySecondProvider. Voilà. Au niveau du contexte web, de la configuration web des servlets, on a deux possibilités. On peut déclarer nos modules en XML dans le fichier web.xml, ou alors on peut utiliser l'extension Juice Servlet. Donc cette deuxième solution, ça nous permettra d'être en full Java, de s'abstraire complètement de la configuration XML. D'ailleurs, c'est un des arguments qui avait pesé pour le choix de ce framework-là. Alors, je vais vous parler de quelques autres normes d'injection brièvement. Donc, CDI, on était sous CDI au moment où on a migré vers Juice. Le problème qu'on rencontrait, c'est qu'on a eu des bugs au niveau du graphe de dépendance qui n'était pas correctement cité, ce qui
qui n'arriverait pas avec Juice, puisque Juice vérifie son graphe de dépendance au démarrage de l'application. Si on a fait une erreur dans notre développement, l'appli ne va pas démarrer. Donc, c'est plus le cas maintenant avec les dernières versions de CDI, mais au moment où il a fallu choisir, il y a deux ans, ça a été un argument fort pour choisir Juice. Je vais vous parler de Dagger. Donc, Dagger, je ne l'ai jamais utilisé. Il a été développé par les développeurs de Juice et c'est un framework d'injection qui est plus adapté pour les applications mobiles. Et pour finir, Spring. Pourquoi on n'a pas choisi Spring? Mais tout simplement parce que Spring est couplé avec d'autres briques que l'injection dépendance qui ne nous servait pas dans notre projet. Et on s'est plutôt porté vers un choix de librairie légère et spécialisée dans l'injection dépendance. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Alors, du coup, j'en ai une petite. C'est sur ta dernière slide, tu disais que Dagger, c'est spécialisé pour mobile. C'est le monde Java. C'est plus adapté pour le développement mobile, ouais. Mais je peux pas t'en dire beaucoup hein, parce que j'ai jamais utilisé celui-là, donc vas-y. Non, c'est juste savoir pourquoi c'est adapté au monde mobile, parce qu'au final, c'est du Java, la gestion de dépendance, c'est pas forcément hyper lié à l'environnement. Alors, ils ont chacun. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais Dagger est plus performant, il est plus léger que Juice. D'accord, c'est peut-être pour ça. Oui, mais enfin, voilà, il y a d'autres inconvénients par rapport à Juice. Mmh. Juice, il a un côté sécurité, enfin, il a un côté sécur qui est. Qui peut être un argument intéressant aussi. Merci. Autre question ? Je vais passer vite. Ah, je vais essayer de taper les gains. En termes de performance ? En termes de performance, de productivité. On n'a pas fait de mesure pour en parler, mais c'est juste une observation. Moi, mon sentiment, c'est que Juice est plus facile. Alors, là, je mets encore un bémol parce que CDI a beaucoup évolué entre temps. Et comme je ne l'ai pas utilisé depuis plusieurs années, je ne peux pas trop dire voilà, CDI c'est ça et Juice c'est ça. Mais par rapport à l'utilisation, par rapport à la version CDI qu'on avait quand on est passé à Juice, ouais, ça a changé beaucoup de choses au niveau du développement. C'était plus simple, quoi. Au niveau de la configuration, si je peux me permettre un comparatif, CDI, ça serait plus des annotations un peu plus verbeux en termes d'annotation, alors que Juice, c'est tout dans les modules, en fait. Toute la configuration est centralisée dans les modules, ce qui permet de dire, voilà, si on a un problème, on va voir dans le module, et c'est là que la solution va se trouver, en fait. Voilà, moi je trouve ça plus simple par rapport à ça. Est-ce que vous avez une code legacy? Est-ce qu'il a fallu transformer du code pour faire ma version de contrôle et du coup, comment vous avez fait? On n'avait pas de code legacy en fait. Vous êtes parti de... on avait du code legacy, mais qui était. C'était quand même du code qui était à jour, qui utilisait des frameworks à jour. Pas de changement radical. Une dernière question. La migration à Juice a mis quand même un certain temps à se faire. Hein. Ça, c'est pas un claquement de doigts non plus. J'ai l'impression qu'on a du mal quelquefois à former les équipes au principe d'une version de contrôle quand ils ont l'habitude de faire les choses d'une autre manière. C'est déjà ce CDI qui applique ce principe-là aussi. Ah, d'accord. Il y a quand même des similitudes. La grande différence entre les deux, c'est l'utilisation des modules qui est un peu différente sur CDI.
BI. Mais après, au niveau des annotations, on injecte, c'est le même. Donc non, pour ça, il n'y a pas eu de problème. C'est pas une question de plus. Merci.